Bonjour à tous, nous sommes au Flower Camping des Pins de Soulac où nous allons rejoindre Nicolas, le responsable du camping, pour nous parler du séjour surf organisé en partenariat avec Soulac Surf School. Bonjour Nicolas, peux-tu nous parler du Flower Camping des Pins ? Bonjour Gaëlle, je me présente, oui, je m'appelle Nicolas, je suis le responsable du Flower Camping des Pins avec mon frère Olivier. C'est une entreprise familiale qu'on a depuis une dizaine d'années avec Olivier, on a repris la succession de nos parents. Pourquoi proposez-vous un séjour surf dans le camping ? Alors le surf et l'océan, ça fait un peu partie de nos valeurs, donc pour nous c'était sympa de proposer un séjour dans le camping avec une thématique liée au surf et aussi au stand-up. Quel locatif proposez-vous pour ce séjour ? Alors on propose les Sweet Flowers qui sont des locatifs qu'on a depuis maintenant 2 ans dans le camping et qui correspondent bien à l'image aussi un peu de la nature et du surf, et c'est pour ça qu'on trouvait sympa de proposer ce locatif avec cette offre thématique. D'accord, merci Nicolas. Merci. Nous sommes maintenant au Surf Surf School où nous allons rencontrer Marco, le responsable du club. Bonjour Marco. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous organisez en juin des stages de 2 jours surf et paddle. Comment vont-ils se dérouler ? Alors les stages mis en place avec Soulac Surf School et le camping Flower des Pins vont se dérouler sur 2 jours. Le samedi et le dimanche en week-end avec du surf et du paddle aussi. Faut-il avoir un certain niveau de surf ou de paddle pour faire ce stage ? Ces stages sont accessibles dès 5 ans, aux tout petits comme aux adultes, et il n'est pas nécessaire d'avoir un niveau. On peut prendre des personnes qui ont un niveau 0 en surf ou en paddle. Le but du jeu, c'est de découvrir les fondamentaux du surf ou du paddle. Le matériel est-il fourni ? Le matériel est entièrement fourni. On fournit la planche école, planche en mousse, et également la combinaison. Quels sont les tarifs pour les 2 jours de stage ? Les tarifs sont fixés à 50 euros, tout matériel fourni avec un encadrement diplômé d'État dans une zone entièrement sécurisée. Peut-on venir en famille ? La différence d'âge est-elle un problème ? La différence d'âge n'est pas du tout un problème. On peut venir seul, en couple ou en famille. Que vous ayez 5 ans, 10 ans, adolescent ou adulte, le moniteur s'adapte. On fait des groupes jusqu'à 8 personnes et des groupes de niveau. Merci Marco pour ces informations. Merci à vous. Au revoir. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais bientôt en réaliser une nouvelle pour pouvoir me présenter parce que je suis la nouvelle chroniqueuse du Camping des Pins. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous dis à très bientôt au camping.